Monsieur le maire, bonjour. Quels sont les critères que vous prenez en compte afin de décider de refaire une voirie ? Elles sont de plusieurs niveaux. Les travaux qui sont en cours, notamment, sont liés au plan de renouvellement urbain. Donc, nous avons une opportunité d'un financement de l'État de quasiment 50%. Donc, ça nous guide effectivement à refaire certaines voiries en complément des aménagements sur les quartiers qui sont impactés donc, par le PRU. Donc, c'est le cas de la rue Henri Moisson, dont les travaux vont démarrer dans quelques jours. Et c'est le cas du chantier que nous venons de visiter à hauteur de la rue Pierre et Marie Curie. La ville de Bourges, ça représente environ 250 km de rue, c'est-à-dire la distance qui sépare Bourges de Paris. Bien évidemment, à cela, il faut bien comprendre que ça nous fait environ 500 km de trottoirs à entretenir. Quel est le pourcentage de rues en travaux actuellement ? Pourcentage, c'est à peu près, on va dire, 2%, c'est-à-dire qu'on est entre 4 et 5 km en cumulé de travaux sur la ville. C'est-à-dire qu'on a peut-être des chantiers assez conséquents qui vont démarrer, ou comme on peut voir aussi du côté de la chancellerie ou du côté d'Avaricom. Et puis ponctuellement aussi, on a des travaux qui ne sont pas toujours d'ailleurs réalisés sur la maîtrise d'ouvrage de la ville. Ça peut être des concessionnaires comme ERDF ou GRDF par exemple. Après, il y a d'autres voiries alors, qui sont plus en termes d'entretien. C'est-à-dire réfection d'enrobé sur les voiries, réfection de trottoirs. Donc là, c'est un plan que nous établissons chaque année avec un budget environ d'1,5 million pour les trottoirs, 1,5 million pour les voiries. Donc ça corrobore à la fois l'idée des services, qui connaissent très bien leur territoire, en fait, les espaces publics concernés, et puis aussi les riverains, c'est-à-dire les habitants de Bourges, qui connaissent bien leur quartier. Et quand on vient corroborer et compacter ces informations-là, on gère par priorité. On a eu un souci d'une homogénéité, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de saupoudrer un peu partout dans la ville, mais d'essayer de faire des mini-quartiers, de manière à ce qu'on ait un entretien continu, notamment sur des critères, par exemple, de circulation importante des piétons, à proximité des écoles, des collèges et des structures scolaires. Merci.